à vous, amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 13 au 19 décembre? N'hésitez pas à aller voir l'énergie de la semaine précédente, du mois de décembre également, votre ascendant. Les guidances du mois de décembre, on va dire dure, vidéo dure à peu près comme les guidances de la semaine, parce que justement, je fais désormais bon, la guidance du mois, mais également les guidances pour chaque signe, semaine par semaine. Alors là, non, je vais pas les prendre. Alors, on nous parle de chemin, un chemin à prendre. Hop. Non. Il y en a trop là, comme on peut voir, il y a le triangle amoureux, mais si ça doit ressortir, ça ressortira. Et si ça ne ressort pas, eh bien, vous pouvez quand même, vous, dans votre tête, le prendre en compte. Histoire de triangle amoureux. Non, encore une fois, il y en a trop. Allez, pour vous, Bélier, ascendant Bélier, pour cette semaine du 13 au 19, on nous parle de déplacement. Il y a de l'hésitation de votre part, justement, à vous déplacer pour aller voir une personne. C'est un petit que, moi, de ce que je ressens pour le moment, c'est que vous hésitez, vous avez hésité pendant un moment à vous déplacer pour aller voir une personne et que au final ben, vous n'allez plus hésiter et vous allez passer à l'action, vous allez agir. En plus, bon, c'est un détail, mais là nous avons le chiffre 7 et ici on a le chiffre 52. Vous additionnez 5 plus 2, ça fait 7, et 7 c'est un bon chiffre. C'est le chiffre de la chance. Enfin, peut-être aussi d'autres choses, mais ça concerne, voilà, la chance. On nous parle de flamme jumelle, d'âme sœur en tout cas, pas forcément votre flamme jumelle, mais vous hésitez, mais vous avez envie justement de revoir au moins une fois justement cette flamme jumelle. Pour voir, voilà, pour voir ce qu'elle est devenue et vous ressentez le besoin et que si possible, si c'est possible, vous avez, ce serait, on va dire, le jackpot, ce serait le must, si vous pouviez vous réunir à nouveau, si vous pouviez eh bien, repartir, prendre un nouveau départ ensemble, mais vous remettre en couple avec cette personne. Ce serait le jackpot. Mais déjà que je ressens cette notion que déjà si cette personne accepte de vous recevoir, déjà voilà, vous allez prendre ce qu'on vous donne. Parce que désormais, vous acceptez, il y a cette notion que ben, vous prenez ce qu'on vous, voilà, ce qu'on vous donne et que vous n'essayez pas d'en avoir plus que ce que vous pouvez obtenir de façon générale. Ensuite, on a. Parle de profit. Oui, parce que pour vous, l'amour, les sentiments, eh bien, le côté sentimental passe avant l'argent, avant le côté matériel. Et on a le consultant. Alors, comme voilà, alors, je vais juste résumer, étant donné que voilà, je vous ai interprété au fur et à mesure le tirage. Mais on voit que vous avez longtemps hésité à vous déplacer pour aller revoir votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Encore une fois, peu importe que ce soit votre flamme jumelle ou pas, le principal c'est que là on parle de votre âme sœur à laquelle vous souhaitez eh bien, reformer un couple. Vous aimeriez prendre un nouveau départ avec, avec cette personne qui vous manque et que vous. Avec le temps, vous avez compris certaines choses. Vous avez compris certaines choses, je dirais même, vous avez compris beaucoup de choses. Et que
Il y a cette notion que vous allez accepter qu'il accepte le fait qu'il veut bien vous revoir, voilà, il y a cette notion de compromis, mais vous allez accepter ben, que finalement qu'il ne veuille plus avoir de vos nouvelles, qu'il refuse de vous revoir, qu'il refuse d'avoir de vos nouvelles. Voilà pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, merci pour votre présence, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, je vous dis à bientôt.